du 1950, alors qu'apparaît l'une des grandes grandes de la gymnastique française, Elvire Teza, la réunionnaise. Aux barres asymétriques, c'est l'un de ses points forts. Attention, ça va très très vite, ça a aussi beaucoup de rythme pour Elvire. Un tour complet autour du bras, ça le doit avoir un corps carpé, jambes serrées. Alternant du travail par supérieur, par inférieur. Et on la suit jusqu'au bout. Attention à la sortie. Sur le dos. Demi-tour à l'équilibre. Franchissement dorsal, catch-off. Changement de face. Grand tour dorsal. Et sur le grand tour dorsal, sa sortie double avant. On revoit sur le côté. Franchissement dorsal, catch-off, beaucoup d'amplitude. Bascule du corps avant la reprise. Grand tour dorsal, c'est juste avant la sortie. Voilà, projection des talons et le double avant.